Bonsoir à tous, bienvenue à mon émission HKN. Ce soir, je n'accueille pas une artiste, mais une sportive qui s'appelle Sarah Moussadek. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Tranquille? Oui, ça va. Depuis le temps? Ça va, bon, c'est vu. Hein. Oh, c'est vu le week-end dernier pour un combat, toi, mais moi je te connais depuis que tu suis mes projets. Ouais, et je t'ai vu que deux fois, je crois, dans ma vie. Oui, je pense. Ouais, deux fois. Voilà, et après, moi je te suivais sur les réseaux en tant que boxeuse. Donc aujourd'hui, on va parler de toi. On va parler de ton parcours scolaire, familial, sportif. Et puis après, tu nous diras un petit peu ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de développer, tes projets à venir et ce que ça te convient pour l'instant. Avec plaisir, ça va. Ok. Ben, on va commencer par un petit match de boxe. Ça ne te dérange pas. Ok. Alors, comment ça fonctionne la boxe? Bah, moi, je fais de la boxe thaï. Boxe anglaise, c'est que les poings. Ouais, que les poings. Boxe thaï, on a droit au coude, ouais. Au poing, okay. Aux genoux, aux jambes. Bah, moi, j'ai fait du taekwondo et du judo. T'as quitté la boxe aussi. Tu maîtrises mieux que moi? Ah, je sais pas si je maîtrise mieux que toi. Pour l'instant, c'est toi la championne. Moi, j'ai jamais été champion. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me maintiens. Comme on dit. D'abord, mets bien ta garde. Hein. Ma garde, elle est bonne. Ouh! Ah ouais, ça tape direct. Bam! Ok, d'accord. Bam, bam, bam! Alors, tu l'as pas vu là? Eh, gars, là, ça a marché, t'as pas vu? Ça, c'est le côté, elle a pas envie de. Non, j'ai la rage, tu me touches pas. T'inquiète, t'as raison, c'est comme ça. Vas-y, bam! Vas-y, bam, 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 bam. Ah! J'ai vu, bah. C'est bien, tu bloques, hein! Bah ouais, je bloque! Mais, je me prends d'un. Allez, c'est facile! Regarde, tu sais pas faire ça! Mais l'autre jambe! Mets la tienne! Ah oui, comme ça, mets la tienne! Ça comprend! Voilà, vas-y, mets la tienne! Oh. Voilà! Voilà, grand écart! Allez, c'est bon ou pas? En tout cas, merci! Franchement, ça fait plaisir. Un petit peu, ça change. La petite, c'est de la musique, mais là, c'est le truc que je comprends. Là, c'est de l'activité, hein. Ah, franchement, c'est physique. Franchement, bah, tu vas nous parler un petit peu de toi. Donc, tu t'appelles Sarah Moussadek. Ouais. Tu as 18 ans et tu vis à Condé. Oui, à Condé-sur-Escaut. Ok, tu fais quoi dans la vie? Là, je suis en licence 1 de droit à l'université au Tercel à Valenciennes. Ok. Tu es en étude de droit, ça va? Pas ouais. Trop dur? Bah ça va, c'est quand même dur avec ces entraînements tous les jours à concilier, mais ça, j'ai déjà pris un rythme depuis des années, depuis que j'ai commencé la boxe. Depuis l'âge de 4 ans, j'alterne école et boxe, du coup, t'as commencé avec 4 le temps, ouais, 4 ans, à 4 ans. Bah avec mon père, ouais. Il avait sa propre salle à compter. Et avec ma mère, ils m'ont mis dedans, du coup j'ai toujours vécu dans la boxe, entre guillemets. Direct. Mais directement. Et pourquoi la boxe? Est-ce que c'est toi qui as aimé? Parce que toi, tu m'as dit, c'est ta mère et ton père qui t'ont mis dedans. Ouais. Mais est-ce que toi, tu voulais au départ ou tu t'as testé, non? Ou t'as pris goût directement? J'ai pris goût, je suis partie de moi-même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pas forcément le sport de leurs parents. Ouais. Mais moi, ça m'a plu. Je suis partie de mon plein gré dans la boxe. Ok. Et jusqu'à maintenant, j'ai continué, j'ai persévéré. Et est-ce que tu te rappelles de ta première séance? Ma première séance? À 4 ans, ce que tu disais. Ta mère, elle doit s'en souvenir, c'est non, sûr. Ma mère, sûrement. Mais moi, j'ai des souvenirs qui viennent, mais surtout vers l'âge de 6 ans. Bah vas-y, raconte-nous. Bah, raconte-nous. Vers l'âge de 6 ans. Bah, en fait, je mettais tout le temps les gants avec des garçons parce qu'il n'y avait pas de. Il n'y a pas de filles à cette époque-là. Non, il n'y a pas de filles. C'est la boxe féminine, elle n'était pas encore beaucoup développée. Ouais. Et du coup, je passais souvent dans les articles de la Voix du Nord avec mon père, notamment quand il a ouvert la boxe aux femmes. Ouais. Je me souviens d'une image où je saisissais la jambe d'un garçon de mon âge. Ouais. Et il était marqué en grand. Tu saisissais. De mon âge, un garçon de mon âge. Ouais, hop, je saisissais la jambe comme ça.
et je mettais un point et il était marqué au-dessus l'article de la Voix du Nord. Ouais. Il était noté la boxe s'ouvre aux femmes. Ah ok, d'accord. Et à partir de là. Je vois encore l'article. Bah ça m'a marqué ça. Ah ouais. Cet article et je m'en sers encore aujourd'hui. Et est-ce que tu. Comment, donc ça fait l'âge de 4 ans, ouais. Là t'as 18, tu t'es jamais arrêté. Si, il y a eu souvent des. Bah souvent. Par exemple l'année dernière, j'ai arrêté pendant quelques mois la boxe. Mais c'est court parce que j'en ai besoin. C'est pour les études. C'est pour le bac. Voilà, pour le bac, pour les révisions. Je sais par la part des choses. Mais de toute façon, quand t'es en période d'examen, il n'y a plus de combat. C'est quoi la période des combats chez vous? Bah si, ça continue tout le temps. Tout le temps les combats. Mais est-ce que c'est Ça dépend des promoteurs en fait. Ah voilà, c'est. Si le promoteur il m'appelle pour que j'aille boxer, ça peut venir n'importe quoi en fait. Donc c'est des promoteurs, c'est pas comme par exemple pas comme le football ou le judo. Il y a des trucs, non. À la fin, la bouture, championnat de France, championnat du monde. Il y a des choses programmées comme les championnats régionaux, ouais. Championnat de France. Mais tout ce qui est combat hors des championnats, ouais, c'est dit, non, off, c'est pas programmé. Donc c'est comme à la boxe qu'on voit à la télé, les champions, voilà, on programme. Ouais, est-ce que ton entraîneur appelle l'autre entraîneur, ouais, moi j'ai ça. Une boxeuse, tatati. Il parle d'argent ou il n'y a pas d'argent là-dedans? Ouais, si, il y a de l'argent, comment dire, l'argent professionnel. Okay. Avant on parlait pas d'argent, mais maintenant. Là t'es passé pro. Ouais, maintenant. Et depuis quand t'es passé pro là? Depuis cette année là, c'était mon premier combat en pro. Celui que j'ai vu, c'était ton premier combat en pro. Certainement. Donc les entraîneurs. J'avais déjà fait des combats sans protection, entre guillemets en pro, mais en Hollande et en Belgique parce que la réglementation n'est pas. N'est pas avec en France. Ouais. Okay. Et là en France, c'était mon premier combat sans protection. Donc t'as toujours fait de la du Muay Thai. Muay Thai et K1. La particularité, c'est qu'en K1, on n'utilise pas les coudes. Ouais. Et au niveau des genoux, on peut en mettre qu'un seul. C'est et tout. Quand on attrape l'adversaire, on peut en mettre qu'un seul. C'est tout. Après ça, tu as plus le droit. Après, on a corps à corps en Muay Thai et là, on n'a pas de durée limitée. Ok. En K1, c'est 3 secondes. Et est-ce que, tu sais, par exemple, ils organisent des combats, je vais aller dans la fiction, avec ce qu'on voit à la télé, les films, etc. Donc l'autre, il appelle l'autre, ça s'organise, etc. Je sais pas s'il y a des paris chez vous ou quoi qu'il y a, c'est tout. Mais des enjeux. Est-ce que t'as déjà été délaissé ou t'as déjà été lésé dans tes combats? Par exemple, il n'y a pas eu de KO et à la fin, on remarque que c'est l'autre qui a gagné par rapport à toi ou t'as ressenti, voilà, c'est moi qui devais gagner et c'est l'autre qui a eu la victoire, etc. Est-ce que c'était déjà arrivé ça? Ça m'est déjà arrivé en Belgique. Contre une fille que j'aimais boxer, on m'avait mis match nul. Mais à la base, contre elle, par rapport aux gens d'extérieur, surtout le public, ils trouvaient que je gagnais. Mais après, c'est la décision des arbitres. Bon, après, tu peux rien dire. C'est pour Ça, moi, je me rappelle pour ton combat que j'ai vu, quand tu m'as appelé, on a discuté par rapport à l'émission et ça. Après, je t'ai dit, la boxe, c'est simple. Tout ce qui est sport de combat, tu mets KO et plus personne qui parle. C'est ça. Il n'y a pas de talent, c'est bon, KO, c'est fini, ça y est, il n'y a plus de blabla et tout, etc. Mais par rapport à, je reviendrai par rapport à ton entraînement d'eau, par rapport à ton combat que tu as fait, tu n'avais pas de public. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, tu vois, peut-être que je suis cru, mais j'ai pas vu un engouement sur toi. À part moi qui ai crié, ta sœur. Tes copines, et la blonde là. Tu vois. Moi je criais parce que pour mon temps je filmais, en même temps je regardais pour voir un petit peu comment tu combattais, c'était la première fois. Il y avait Malik, la team Baba qui m'a rejoint et tout, voilà, lui, toi, on l'a vu, genre, comment là. Quand t'as mis KO, j'étais, là, c'est bon, là on peut faire l'émission. Parce que t'as mis KO, t'as perdu, cousine, c'est comment, tu vois, je sais pas comment on a enchaîné le truc, mais il y a Rodrigue, il y a personne qui te suit. En fait, j'étais, comme on m'a dit, j'étais pas attendue. Là, c'était mon premier combat et là, ça faisait depuis quasiment un an et demi, deux ans que j'avais pas remonté sur un ring. Ouais. Du coup, après, j'ai eu beaucoup d'ennemis entre guillemets. Hein. Quand t'évolues dans un sport, d'un côté, t'as les gens qui te suivent et qui t'encouragent et de l'autre côté, t'as les personnes. Qui parle pour rien. Voilà. Alors qu'ils font rien. Ouais, ça du coup là. Parce que moi je me dis, tu t'entraînes dans un club. Mais il est où ton club?
À part ton, j'ai vu ton entraîneur, j'ai vu Youssef, je crois, celui que Youssef, parce que j'ai vu, il s'entraîne avec moi à la muscu. Ah oui, c'est mon coach. Et il y avait Youssef. Youssef, c'est ton coach. Il y avait l'autre là, avec la barbe. Reda, lui, parce qu'on s'entraîne ensemble dans la salle. Et il y avait le troisième, le petit là, celui qui avait plus de voix. Eux, c'était ceux qui t'entraînent, ceux qui te suivent, etc. Il y avait ta famille, mais eux, ils ont un club. Oui, c'est un bruit sur les. Voilà, moi je me serais dit, toi, tout le club est là, allez, ça, comme on voit partout, quoi, tu vois. Et là, tu vois, ça, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas grave. On n'est pas trop nombreux dans le club. Mais sinon, tout le club est venu. Hein. Tout le club était là. J'espère que la prochaine fois, ils feront plus de cris. Parce qu'ils louent. La prochaine fois, j'espère qu'ils feront plus de cris. Parce que sinon, mon ami, le soutien, ça vient de là. Ouais. Ensuite, t'as parlé beaucoup de ton père. Et est-ce que ton père, il était là ce soir-là? Ouais, il était pas là. Il était pas là? Et il est au courant que t'as gagné? Oui, il est au courant. Et alors, qu'est-ce qu'il en dit, ton père? Bah, il est content, il m'a dit félicitations. Surtout. Mais sans plus. Le principal, c'est que ma mère, elle était là. Ok. Tu vas le plus profond, je suis désolé. Mais c'est comme ça les interviews, tu vas comprendre. Donc ton père, il t'entraînait depuis le début, à 4 ans. Ouais, à 4 ans, ouais. Et après, quand est-ce qu'il t'a plus suivi? Bah, quand mes parents se sont séparés. À partir de là, c'est tout, il t'a plus suivi. Mais il suit d'année. Ou il suit plus d'année. D'année bien extérieur quand même. Bien extérieur. Mais il suit quand même. Ok. Et peut-être que le fait que ton père te suit plus et tout, c'est pas ça qui te donne un petit peu de rage? Ah, peut-être, il y a ça aussi. Hein. Vas-y, dis-moi. Peut-être l'envie de lui prouver que, entre guillemets, je peux être meilleur que lui et sans lui. Ou peut-être tu peux dire que ton père, comme c'était un bon boxeur, peut-être t'es sa descendance aussi. Il y a ça aussi, mais si je fais de la boxe, c'est vraiment pour moi. Ok. C'est pour moi, ça, c'est pas par rapport à... C'est grâce à lui, mais c'est pour toi. Ouais. Parce que c'est grâce aussi à ma mère, parce que c'est elle qui m'a vraiment poussé depuis les débuts. Dans ce sport, elle a toujours cru en moi. Ouais. Et elle m'a amené partout. Même quand j'ai dû changer de club, c'est elle qui m'a amené. Depuis les débuts, elle est là, donc je serais pas là sans elle. Ok. Et ta mère, elle t'a déjà donné des droites? Ah oui. Enfin, des claques. Ah oui. Hein. Mais t'avais le réflexe de faire ça. Oh, voilà. Ah, oh, salut. Ah là, t'as vu, ta claque, elle fait plus rien, voilà. C'était sûr et certain. Non, pour présenter. Après, j'ai beaucoup de respect envers moi. Ah, normal. Et tes petites sœurs, elles disent quoi? Ma petite sœur, elle était là le jour. Bah ouais, je l'ai vu. Elle n'a rien à voir avec toi. Ouais, même la grande. Elle joue la Star Academy, toi, sinon. Ça n'a rien à voir, c'est deux mondes différents. Ouais. Et ça va, elles te soutiennent, c'est normal. Mais elles aiment te voir boxer ou. Bah, je vais poser des questions à ma petite sœur parce que c'était quand même la première fois. Ouais. Je lui dis alors, t'as bien aimé? Elle me dit, non, j'aime pas et tout. Tu t'es pris des coups, j'aime pas. Elle avait beaucoup peur, hein, j'ai entendu sur les vidéos. Non, en général, les femmes, toi, elles aiment pas trop donner de la violence ou donner des coups et tout. Mais après, il faut qu'ils le comprennent. Mmh. Il faut qu'ils le comprennent. Après, au fur et à mesure du temps, tu verras. Déjà, qu'elles soient venues et qu'elles t'ont vu, c'est beaucoup déjà. C'est le principal. Mais pour préparer ton combat, comment tu te prépares? Moi, je me prépare. Alimentairement, physiquement, l'école, la daronne, les copines, les sorties. Comment tu t'organises? Tu l'as su combien de temps avant le combat? Je l'ai su au mois de juillet. D'accord, au mois de juillet. Au mois de juillet, j'ai travaillé. Du coup, j'ai commencé, et là, c'était le 6 octobre. Ouais. La préparation, je l'ai commencé déjà en juillet, en continuant, en faisant des footings. Mais j'ai vraiment repris au mois d'août. Ouais. J'allais avec tes entraîneurs ou... D'abord, j'ai commencé à la musculation à Perway. Ouais. J'étais plus dans le cardio. Ouais. Et mi-août, là, j'ai commencé à reprendre tous les entraînements. Donc, c'est-à-dire entraînement 6 fois par semaine minimum. Ouais. Avec un préparateur physique. Tous les jours, quasiment, je courais. Ouais. Et c'était minimum 10 km. Ou bien vraiment, quand on travaillait fractionné, il y avait vraiment un programme. Et après, il y a l'entraînement à la salle avec mon coach. Mmh. Après, au PAO. Là, ça au tape. Au PAO, là, voilà. Bam. Vraiment l'explosivité. Ouais. Et il y a aussi la liste de gants, qui est important, qui permet de mettre en place ce que j'ai travaillé au PAO.
Mais comme tu es toute seule comme fille, enfin je sais pas si au club il y a d'autres filles ou pas, ou tu es la seule. Ouais, il y a eu d'autres filles, mais. Ouais, elles ont pas ton niveau. Je me mets pas. Donc c'est ton entraîneur avec qui tu combats? Ouais, des fois je mets des muscles de gants avec mon entraîneur. Voilà, parce qu'il faut combattre. C'est qui ton partenaire de combat là? Parce qu'avant. J'en ai plusieurs, je vais aussi au club de Beuvrage. Ouais. Et même le club de Beuvrage, des fois, il vient avec un grand boxeur, Madani. Il a boxé aussi au gala. Il a boxé Madani. En fin de soirée. En fin de soirée. Et du coup, je mets les gants souvent avec lui. Et lui, il faisait de la boxe chez mon père auparavant. Ok, d'accord. Donc voilà. Et même à la salle, il y a des gars avec qui je mets les gants. Ouais, tu en fais que tu mets des gars avec eux. C'est avec eux pour que tu progresses trois fois plus vite. Ok, d'accord. Et comment dire? Et l'école? Comment tu conjugues? Quel est le regard des autres quand tu es à l'école? Parce que normalement, tu n'as pas le droit d'utiliser. C'est comme une arme, tu vois ce que je veux dire? Tes points, c'est comme une arme. Mais est-ce qu'on t'a déjà fait chier à l'école ou traité? On dit, ouais, vas-y, c'est une boxeuse, elle est rincée, je vais la déglinguer, tu vois? Ah non, j'aime. Parce que je ne suis pas la même personne en fait. Sur le ring et à l'extérieur. Ouais. À l'extérieur, je suis quand même une personne. Je suis humble. Ouais. Et je suis quand même douce avec les autres. Et sur le ring. C'est un contraire, ça, mais sur le ring, ça tape. C'est une autre personne. C'est autorisé sur le ring. Voilà, violence autorisée, ça me permet de me défouler aussi. Mais non, j'ai jamais eu vraiment de soucis avec les gens. Et ils t'en parlent, les élèves? Ah oui, il y en a qui sont. Ils te suivent sur les réseaux, tu sais, ils disent, oh ouais, le combat, ouais, tac. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés et on me demande souvent comment j'arrive à concilier l'école, les deux, la boxe. Bah là, t'es à la fac, ça passe. Ouais, c'est plus léger quand t'es au lycée, c'est encore un. C'était plus difficile. C'est encore un être délire et tout. Et comment. Je voulais dire comment. Tu sais, avant quand tu rentres sur le ring, t'es dans les vestiaires et tout, dès que tu rentres sur le ring, franchement, tu penses à quoi? Sois sincère. Quand je monte sur le ring. Ouais, comme là, samedi dernier, t'es monté sur le ring. À quoi t'en penses? Quand tu sais, parce qu'il y a eu du temps, parce que ton entraîneur, il te mettait les gants. Donc, pendant qu'il te met les gants, tu penses à quoi? Parce que nous, quand on voit Rocky, ouais, il arrête de parler, t'as pas mal, j'ai pas mal. Non. Toi, qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Déjà, je voulais qu'ils me mettent bien le gant. Ouais. Je veux que tout soit parfait. Ouais. Je suis assez perfectionniste sur ça. Parce que le moindre bémol, pour moi, je pense que ça peut. Après, ça y est. Mais après, ce que je me dis, c'est ça y est, on y est. Qu'est-ce que je vais faire? Je le mets bien mon coach, je fais quoi? Après, il me dit, on en a parlé. Après, c'est vrai. Après, il faut prendre du recul et réfléchir à tout ce qu'on a travaillé. Et tu l'avais déjà vu, la fille que t'as combattu? Je l'avais déjà vu combattre, mais quand j'étais jeune, hein, quand même. Elle avait quel âge? Elle a 26 ans, il me semble. Ah ouais, quand même. Elle a 26 ans, elle a d'expérience. Elle a boxé un peu partout. Hein. 26 ans et 18, wesh. En Belgique, c'est la meilleure. Ça veut rien dire aussi. Ouais. Moi, ça veut pas. Voilà, ça veut rien dire. Franchement, ça veut rien dire du tout. Kylian Mbappé, il a gagné la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo l'a pas encore gagné, tu vois, c'est le contraste, mais bon, ça n'enlève rien le talent, tu vois, la sportivité. Et quand on t'a dit que c'était elle que tu allais combattre, comment tu te prépares? Tu vas voir ses vidéos, tu vas fouiner sur Facebook, comment ça fonctionne? C'est surtout mon coach, ça j'ai ça pour mon coach, ouais. Il sait ce qu'il fait, il analyse et après on met en place à la salle. Technique et tout. Ouais, voilà, technique. Oh, les duos, ils font ça, un tac, tac. Ouais, voilà, ça. T'inquiète. Moi aussi, je regardais parce que je la suivais sur les réseaux sociaux. Parce que je la connaissais bien avant que. Bah, en fait, j'aurais jamais pensé la boxer un jour. Auparavant. Et pour toi, quel serait. Parce que là, t'es en pro. Quel serait ton avenir dans la boxe? C'est quoi ton but en fait? Mon but, c'est d'être la meilleure. Ouais. Gagner ta vie avec ça? Comme on voit gagner ma vie, faire que ça par exemple? Je sais pas. Parce que si je me blesse par exemple, c'est fini. Ouais. Et j'ai aucune garantie derrière. Du coup, c'est pour ça que je laisse les études. Attends, tu gardes les études. Ouais, je garde les études. Ouais. Quel délire. Ouais. Et c'est quoi le top niveau dans ta discipline? C'est quoi La meilleure. Non, pas la meilleure, c'est-à-dire là, au niveau de. Comme là, le football, c'est la Coupe du Monde, ça c'est ça, l'apothéose ou la Ligue des Champions, tu vois. Toi, c'est quoi exactement? Je dirais pas championne du monde parce que au niveau des fédérations, on a des champions du monde un peu partout maintenant. Ouais. Mais je me référais plutôt à des grosses organisations comme le Glory. Avoir une ceinture de champion du monde au Glory, par exemple, là, ça a de la valeur. C'est quoi le Glory? Le Glory, c'est
c'est une grosse organisation. En France ? Non, c'est un peu partout, c'est partout dans le monde en fait. Okay. Il est venu à Lille, il va aussi à Rotterdam, il va aux États-Unis, il va partout en fait, ça bouge. C'est comme un gala, mais partout dans le monde. Et il sélectionne les meilleurs et il fait affronter les meilleurs. En fait. Voilà, c'est tout. Ça. Et après, t'as reconnu après une fois que voilà. Si tu gagnes et tout. Mais il y a aussi une autre organisation comme l'Infusion, mais c'est plus en Hollande. Ok, d'accord. C'est plutôt dans ces pays-là que la boxe elle développe. En France, ils sont encore timides là-dessus. C'est vrai. Ils n'aiment pas trop la violence, alors qu'il y a la violence partout. Ouais, c'est franchement, c'est chelou. Hein. Mm-hmm. Donc le Muay Thai, ça vient de la Thaïlande. Non, c'est pas de la Thaïlande. J'ai été en Thaïlande. Non. T'es sérieuse? Ouais. Et je devais y aller, mais là. Et tu comptes y aller un jour? Ouais, je compte y aller. Ouais, c'est sûr. Ah ouais, compliqué. Et qu'est-ce que tu penses des films, Jean-Claude Van Damme, Tank Po, Kickboxer, tout ça et tout? Je regarde pas trop. C'est vrai, tu regardes pas? Ah non, je regarde pas trop. Mais j'ai déjà vu des extraits, mais je regarde pas trop. T'as déjà regardé Bruce Lee, quand même? Possible. Oh, Jackie Chan, tout ça. C'est impressionnant. Hang Back et tout. Hang Back, c'est comme toi, il fait. Le gars de Hang Back, il fait comme les trucs comme toi. Ouais, c'est comme ça. Imagine, on te propose de faire un film et tout. Je préférerais un film comme Creed, par exemple. Ah, à la Rocky. Ouais, ouais. Voilà. Je préfère ce genre de. Et t'as pas trop. Ouais, voilà, ok, d'accord. Ouais, c'est un deal. Et c'est qui ta. On a chacun une idole dans chaque domaine et tout. Pour toi, dans la boxe, c'est qui la personne qui t'a inspiré et tout? En boxe style, je dirais Boakam. C'est meilleur. Ouais. Non, Muay Thai, c'est vraiment le meilleur. On peut lui mettre n'importe qui. Il battra personne. Sérieux? Ouais. Je connais pas, j'irai regarder. Et non, c'est quoi son palmarès? Il y a des gens, mais ses combats, on les compte en centaines aussi. Hein. Il a tapé tout le monde. Ouais. Il fait ça depuis qu'il est tout petit. En Thaïlande, c'est comme ça. Ouais, donc, mais de toute façon, Thaïlande, c'est comme le Kung Fu en Chine, quoi. Ouais. Donc, eux, c'est des machines de guerre. Et c'est vrai, quoi, tu sais, quand on les voit taper. Ils vivent de ça aussi. Hein. Ouais, ils vivent de ça. C'est leur... Mais il y a deux Français qui sont là-bas, là. Comment ils s'appellent là? Ils font Pindo. Ouais, voilà. Eux, c'est comment? Franchement, ils ont atterri comment là-dedans? Je sais pas. Là, c'est leur père qui est parti là-bas. Et c'est des champions, eux, c'est des vrais et champions. C'est des champions. C'est pas du blabla. Ils boxent au Glory. Il y a l'un des frères qui boxe au Glory. Ok, d'accord. Et c'est des vrais tapeurs et tout. Ouais, mais. Maintenant, avec mieux. L'âge, ouais, il y a mieux. Ouais, maintenant, avec l'âge et tout, etc., ouais. Mais il y a mieux. Tu m'as dit, le côté féminin n'est pas encore très, très, très bien développé. Bah, maintenant, ça va mieux. Ça va mieux? Ça va mieux, il y a beaucoup. Mais les filles, on les trouve plus en Hollande. Et en France, là, même à Bruxelles, il n'y a personne qui. Si, il y en a, mais. Je trouve qu'en France, les filles, elles sont pas assez investies encore. Mais il y en a quand même. Ou c'est peut-être pas. Peut-être les fédérations qui veulent pas investir. C'est peut-être pas les filles. Peut-être qu'il faut en montrer plus, peut-être qu'il faut les sensibiliser. Les promoteurs aussi. Hein. Ouais. Ils payent moins les filles que. Ah, que les gars. Bah, c'est... Mais après, ça dépend. Par exemple, là, si vraiment une fille, elle perce dans la boxe, ouais. Bah, elle peut largement être plus payée qu'un gars. Bah, c'est dommage, tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai vu. Toi, avant que tu combattes, il y avait un certain nombre de combats qui se sont déroulés. Il y avait des gars, franchement. Je dirais pas que mais c'était pas dynamique, à part le combat avec le grand blanc et l'arabe, là, comment il s'appelle. Je sais plus. Juste comment. Avant moi? Non, pas avant toi. Eux, c'était franchement, ça castagnait. Tu vois, après, il y avait des combats, c'était mou. Le duo aussi de féminin, pas terrible. Ouais. Mais après, toi, quand j'ai vu comment tu combattais, je dis, oh, elle tape quand même, toi, c'est. Tu vois, franchement, Hervé, il aurait été là pour filmer. Mais je te jure, on aurait fait un montage, on serait cru dans un film. Parce que, tu vois, ça castagnait bien, bam, bam, et tout, tu vois, c'était... Toi, tac, bam, tu vois, c'était... Tu vois, ça enchaînait bien, je dis, ah ouais, non, tu vois. J'ai dit, ah ouais, ouais, et franchement, tu m'as fait plaisir. Bon, bah moi, ça me fait plaisir. Et franchement, je dis, elle nous HM pas. Elle tape, tu vois, parce que, tu vois, il y avait des combats, tu vois, c'était mou, c'était... Mm-hmm. Pourtant, les gars, je sais, ils tapent, mais... Il n'y avait pas le dynamisme, tu vois, c'est comme si tu es McGregor et le Black, là, les champions, là, qu'est-ce qu'ils sont. Voilà, tu vois, on voit que c'est des champions, boum, ça tapait bien, bam, bam et tout. Tu vois, surtout, tu vois, ça fait 4, 5, 6 ans que tu fais ça.
un ami, normalement, ça y est, il y en a certains, ils n'avaient même pas de souffle. Ah oui, c'est ça. Alors, mon ami, tu viens en combat, mais du souffle. Comment veux-tu devenir champion si tu... Tu sais, c'est pas de la castagne, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'aime bien quand ça fight. Mm-hmm. Parce que moi aussi, j'ai fait des sports de combat et tout. Mais moi, ça fightait, tu vois. Moi, tu sais comment on m'appelait, moi? Non. La gazelle. Parce que j'étais inépuisable. C'est vrai? J'avais le physique. Pour tout le monde. Mon poutre, tac, tac et tout. Vous rappelez la gazelle? Je te jure, inépuisable et tout. Mais après, moi, c'est les études qui m'ont fait arrêter le sport. Mm-hmm. Et ouais, c'est les études qui m'ont fait arrêter le sport. Et puis, bon, regarde ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais je continue quand même. Mais eux, ils savent, ils voudraient que je Il faudrait que je vienne dans votre club et tout, mais les horaires, horaires ne correspondent pas à mon travail. Non, ça va être compliqué et tout, mais qui sait, un jour peut-être je viendrai mettre les gants, etc. Mm-hmm. Et tout. Donc c'était Sarah Moussadak en direct de HKN. Allez sur les réseaux, soutenez-la parce qu'elle en a besoin avec un like ou avec des messages. C'est ça qui lui donnera de la force. Et qui sait, ce sera notre future championne, Inch'Allah, et notre future avocate de droit. Ciao, les amis. Good.